En anglais, ça veut dire poulette. Ça veut même dire petite poulette. Alors pourquoi on s'appelait comme ça? Parce que au tout début de l'histoire des Chickies, on travaillait ensemble, mais on se racontait plus nos histoires tout autant personnelles. Alors vous imaginez bien ce que trois filles ça peut faire ensemble. Et blablabla blablabla. Voilà des petites poules qui discutent ensemble. Donc on a plutôt voulu prendre ça avec ironie, on s'est appelé les poulettes, the chickies. Et en anglais voilà. Ça sonnait mieux parce qu'on chante en anglais. If you ever go down treetop, they make you feel so very kind. Your lips will sing and make a rhyme. Guarantee you one will be fine time. Drink it wrong. Alors on s'est rencontrés au conservatoire de Lille, en classe de jazz, en première année. Et, en fait, une professeure nous a fait travailler le répertoire des Andrew Sisters, donc qui sont des sœurs qui ont chanté ensemble pendant les années 30-40 aux États-Unis. Et puis on a bien aimé. Et puis il y a eu plusieurs fois où on nous a demandé « Venez chanter les trois morceaux d'Andrew, voilà. à telle occasion. » Et ça nous faisait plaisir et les gens, il y avait un super retour. « Give me some skin, my friend, smack it. » Walk it, my friend, let your hand rotate. Show it, blow it, put it in a pocket to the future day. Step my eye for it, shake my hand. Like you do it, roll it to the house. Can you do it? Just reach up and down, step about with the show. Give me something, give me something. Dans le jazz et hors du jazz, on a quelques chansons françaises. On s'était fait plaisir avec un morceau de Michael Jackson. On essaie un peu de faire un peu... Mais toujours avec ce principe de ce qu'on appelle le close harmony. C'est vraiment des notes qui sont très rapprochées les unes des autres. C'est ce qui caractérise vraiment ce style de ce trio Andrew Sisters. Ouais. Voilà.